Salut à tous, je suis content de vous retrouver pour un nouveau numéro du live sur Via Stella. Toujours un plaisir d'écouter de la musique en live et en public. Il vient de sortir son tout nouvel album. C'est avec plaisir que le live reçoit ce soir Jean-Charles Pape et ses invités. On va le découvrir avec un album qui s'appelle Essential et on commence tout de suite avec le titre générique de cet album. Pour ouvrir le live de ce soir, mesdames, messieurs, Jean-Charles Pape. Sguardo perso all'orizzonte, ha vinto domigun, capisco più, sarò l'occhia e ti vigo guasso, posata figliola tramonti, mi lamenti to ciuffi biondi, colore di si campi di rame, con un deserto un andano, non gli sa scopri d'altri monti, pensa spesso smaravidato. A ciò che tu mi insegnasti cura, o piace di bassa maestra, ed ave qual che sia lato, chi mai o campa di illusioni, scordando chi sono stati ci tedi, qui in capo il cane stedi, e fiumi smisurati passioni. Cerchiamo tutti un ideale, una vita fatta di splendori, ma da pure vedere essenziali, basta figliola cugoni. Cerchiamo tutti un ideale, una rosa, un armi di colori, ma da pure vedere essenziali, basta figliola. Vengo bene d'ogni parola, quando parli persa speranza, e un tempo mi dà importanza, all'amore non consola. Un falafà lungo cammino, in circa di un no albori, non si starà mai un fiori, come qui tutto ciò giardino, un po' d'ave peso i sfidi, a furia d'ogni tempesta, chi quassù in la volta ci resta, c'è una luce che mi sorridi, e anche se odio s'orfane tu, ad un sogno ascoso me, io sono convinto, con giorno urta te, ho un amico principe. Partute veda le essenziali, basta figliura cugoni, cerchiamo tutti un ideali, una rosa, una mi di colori, ma partute veda le essenziali, basta figliura sta figliola cugoni.
Premier titre en live de ce soir, Essentia, donc le titre générique du nouvel album de Jean-Charles Pape, avec Grégory Gambarelli, bien sûr, l'incontournable, hein, il est toujours oui, là. Hein. Tu es là. Et puis on va accueillir aussi... Tu peux me contourner, même si incontournable. Philippe Campagne, ça, salude. Tiens, deux mots, justement. Bon, Greg, tu vas nous en parler dans un petit instant, c'est ton acolyte, je dirais de presque toujours. Ton acolyte. Ça fait très longtemps. Il est tout jeune, mais on s'est connu, c'était un soir au cabaret, et ça fait bientôt 18 ans. Philippe, bon, c'est quelqu'un qu'on connaît. Bonsoir. Comment il va, Tao ? Il va bien, il vous embrasse. Ah bah, on peut le saluer aussi. Hein. Oui, je l'embrasse aussi. Philippe, qui fait partie de la petite bande de ce soir. Oui, effectivement. C'est un passage un peu particulier pour Philippe. Ben, Philippe, il nous donne un grand coup de main parce que Alex De Rose, qui habituellement est avec nous et a été un peu fatigué ces quelques temps, là ça commence à aller mieux, mais il a besoin de se requinquer. Il n'a pas pu être sur l'album et il sera dans la tournée à venir, mais Philippe est là et je l'en remercie. Tu veux mon aboguerissade et nous, en plus que ce soit un musicien hors pair. Oui, pas mauvais, hein, pas mauvais le garçon. Ouais, merci. Il est bien. Bon. Merci. Non, mais je le dis parce que je le pense. C'est gentil. Non, sinon je ne le dis pas. Mais à quel nom l'ordre, chèque ? Ah, je t'ai dit en liquide tout à l'heure. D'accord. Manir. Ça sert à quoi de les préparer, les émissions ? Enfin. Bon, sinon, sérieusement, Essentiel. Alors, cet album. Je veux dire que j'ai été un des chanceux à avoir écouté, il y a quelques mois de cela, un des premiers titres de cet album, parce que tu me disais, je vais partir dans une superbe aventure, je me suis entouré de gens extraordinaires, je suis vraiment content, il va y avoir beaucoup de moi dans cet album. J'ai eu la chance d'écouter une première maquette, et puis ça y est, bon, l'album aujourd'hui il y est. Est-ce qu'il répond à tes espérances de l'époque ? Eh bien, on en avait parlé, c'est vrai, et à cette époque-là, j'étais content, parce que je savais que Patrick Amparsoumian, qui avait réalisé Corso Mezzo Mezzo, m'avait dit oui pour réaliser mon album. Et donc, ça faisait un moment que je voulais que ça monte un peu au niveau artistique, au niveau musical. Bien sûr, avec Greg, on travaillait d'arrache-pied, avec Alex, avec les autres. Mais on avait besoin d'un petit coup de pied en plus qui nous fasse franchir une marche, une nouvelle marche. Et ça a été le cas grâce à Patrick qui a aimablement voulu participer à cet album, sachant que lui, d'habitude, il a des grosses productions. Donc moi, je lui ai dit, voilà, c'est moi, et je n'ai que moi à t'apporter. Et puis voilà, il fait Les Enfoirés, Céline Dion, Patrick Fior, Florent Pagny, etc. Mais il a bien voulu faire cet album, et j'en suis très, très heureux. Et au niveau de la réalisation, c'est allé même au-delà de mes espérances, parce que moi, ce que je voulais, c'était qu'à la fois, il y ait un son qui soit très prenant, qui soit très abouti, et en même temps qu'on reste simple. Voilà, je ne voulais pas rentrer dans quelque chose de complètement psychédélique. Je voulais que ça sonne pop, mais simple. Et c'est le plus difficile. La vie du musicien de la bande, hein, celui qui est de toutes les aventures, Greg, cet album, toi ? Moi, je participe depuis 18 ans maintenant, aux côtés de Jean-Charles, aux arrangements de tous ces albums. Et le fait d'avoir eu Patou, on va l'appeler par son petit nom, à nos côtés, a été pour moi une très grande réussite, tant au point musical qu'au niveau humain également. On apprend des choses. C'est une réussite, oui, on apprend des choses, oui, mm-hmm. Avec des gens qui travaillent avec des grands, automatiquement. Dis-moi, peine, a dit qui tu as ça, il était, il est sur le disque cuit. Tu as mis ça, il n'a pas ça. Bon, tu as une musique, tu as un bruscope, il y a un tas de fabala à niente. Non, mais c'è assai di me, c'è assai di noi, dei miei amici, hein? C'è Greg qui stasera, ci sono tutti gli altri che hanno partecipato. E a vita è così, ciò che è interessante nella vita, non è mica dire un po' solo se stesso, in cui a certe volte c'è bisogno di ritrovarsi, pa andare a cercare in sé i suoi forzi, ma avere la vita è nella spartera. E sul dischetto qui, giusto appunto, è un dischetto che vado di spartera. A di voluto andare all'essenziale, questo messaggio di un principe edu. Qui veramente fa un riassunto di tutta una vita, ma di noi voleva andare non tutto il caso di Avesta, perché ha visto che la gente in Corsica è poi di noi, primamente, teneva veramente la volontà di campare la musica in scena con questo grande vestito, e sa parte vestita ha voluto Sparta, non un medischetto e non la scena. E infatti la scena è quasi quasi un specchio di ciò che è questo album qui. Su messaggio era forte, voleva passare un messaggio filosofico di noi, di ritrovarsi se stesso per poter
dall'altro, ma dall'altro soprattutto la gioia, sa pace, s'amore, soprattutto in questo mondo d'oggi che ne abbiamo bisogno più che mai. Aspetta una seconda, ma la domanda a Greg et à Philippe. Retournez sur la scène du live, s'il vous plaît, tous les deux, parce que c'est un peu ça, la grande famille du live. On va accueillir quelqu'un dans un tout petit instant, et ce sont les musiciens de Jean-Charles qui vont jouer. Allez, passez, allez-y. On fait comme à la maison. Et on va tous les partir. Oui, de toute façon, la musique, dans son essence, elle se partage. Et si on ne partage pas avec les autres, c'est très difficile. Quand jouer à la maison, on devient autiste à force. Hein. Et donc, on a besoin de partager la scène, de partager des instants. Et puis c'est extraordinaire parce que cette vibration, elle se propage et elle irradie aussi chez les gens. Quoi. Voilà. Alors, c'est un vrai bonheur. 2016, ça sera et ça restera une très, très belle année. Année de rencontres, bien sûr. L'année de cet album. Il y a eu Mezzumezzo aussi, tu en parlais tout à l'heure. Ça, c'est l'album qui a cartonné. Ah, on a entendu chanter Corse aux quatre coins de l'Hexagone, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Oui, j'étais très heureux d'y participer pour beaucoup de raisons. Mais pour celle-là, en premier, c'est comme ça que Patrick me l'avait présenté. Effectivement, les chanteurs continentaux sont venus chanter en Corse avec nous. Et ça, c'était vraiment un grand pas. Ouais, comme tu le diras pas, je vais le dire moi, ils ont eu un coach plutôt pas mal. Hein, c'était Jean-Charles Pape, le coach pour la langue corse. Et c'est aussi pour ça que ça s'est passé. Vous pouvez l'applaudir, effectivement. Ouais. Avec qui crédit, Patrick Burel et Dion, tu dis c'est bon, je vais te le faire en Corse. Non, non, nous travaillons à ton coup, Dion Carlo. Hein. Alors, je t'ai demandé pour cette émission, puisque c'est une spéciale pour la sortie de cet album, d'inviter quelques chanteurs. Bon, on n'a pas de place pour recevoir tout le monde. Hein. Donc, il a fallu faire des choix. Oui, j'ai beaucoup d'amis, ce serait difficile. Il a fallu faire des choix. Alors, c'est quelqu'un avec qui tu vas partager tes musiciens ce soir et que tu partageras un morceau, mais qui prend des risques lui aussi, puisqu'il est sur une scène à Paris pour quelques mois encore. Encore, on va en parler avec lui. Alors, un classique du cinéma, un classique de la musique. Si je vous dis Titine, vous pensez au temps moderne et à Charlie Chaplin. Donc on retrouve Paul Mancini. Paul Mancini, hommage à Charlie Chaplin. Grégory revient avec Paul, bien sûr. Bon, je ne le présente pas. Je ne le présente pas, Paul Mancini, évidemment. Non. Non, tu connais un petit peu. Je le connais très bien, même. C'est ça la magie du live, parce qu'on a des chanteurs, mais c'est aussi l'occasion de rappeler qu'en Corse, on a beaucoup, beaucoup de très, 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 très bons musiciens. Il en fait partie. Grégory revient t'asseoir, bien sûr. Salut, Paul. Bonsoir Laurent. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. C'est vrai. Alors, tu as pris des risques. Tu as dit, je pars à Paris. Oui. Je prends une salle. J'adore Charlie Chaplin. Je veux refaire découvrir, non pas l'acteur, le comédien, le fameux Charlot. J'ai envie de faire connaître aussi le musicien qu'il était. Tout à fait. Je rends un hommage tout d'abord à la musique que Charles Spencer Chaplin a composée tout au long de sa carrière cinématographique pour l'accompagner dans ses films, des temps modernes.
enfin, tout ce qu'il accompagnait dans ses films. Puis je raconte la vie de cet enfant des rues de Londres qui a eu un destin hors du commun, parce que ce qu'il faut savoir de Charles Spencer Chaplin, c'est qu'il a grandi et dormi dans les rues avec une mère qui va être interné dans un asile psychiatrique, un père qui va mourir à l'âge de 37 ans d'une cirrhose du foie. Et il va prouver au monde entier qu'on peut partir de rien et devenir l'un des personnages les plus créatifs de l'histoire du cinéma. Et puis il le dira dans un de ses films avec le petit kid, le petit gamin qui joue là, dans un de ses films. C'est lui tout petit, il raconte sa vie à travers le cinéma muet, c'est là où il est très fort. Et la musique, on a tendance à l'oublier, je vais y revenir. Là on vient d'écouter Titine, ça c'est un morceau qui a fait le tour du monde. Tout à fait. Bon, il l'a chanté aussi, mais c'est avec vrai. Des paroles qui ne veulent rien dire du tout. Dans un charabia voilà, total. Dans un charabia total. En France, elle a été adaptée et on lui a collé des paroles. Je cherche après Titine, c'est devenu en France dans ces années-là. C'est ce qu'on oublie aussi. Et c'est pour ça que tu t'y intéressais aussi. C'est un super compositeur. Charlie Chaplin a été un très grand compositeur, mais il avait surtout une capacité, c'était toujours de s'entourer des bonnes personnes. Il avait ce que j'appelle moi un cerveau collectif et il s'entourait des plus grands chefs d'orchestre. Il était très mauvais musicien, mais très bon compositeur. Il jouait très mal du violon et du piano, mais c'était un mélodiste. Donc, il prenait des compositeurs pour tout écrire, tout jouer, tout orchestrer. Et c'est ça qui a fait la force de ses films. Du coup, il a signé quand même pas mal de musique. Hein, du coup, et c'est un peu comment on va appeler ça, le révélateur de certaines musiques à travers ses films, tout simplement. C'est même devenu des tubes. Hein. Il y a des musiques de lui, et tout le monde les connaît. Hein. Ben, tout le monde connaît les musiques de Chaplin. Et d'ailleurs, à mon spectacle, à la sortie, le public parisien dit... On ne savait pas que c'était Chaplin qui avait écrit tous ces titres-là. Alors, tu es à Paris, je l'ai dit, tu as pris des risques. Tout à fait. Tu y es pour quelques mois. C'est une histoire qui a débuté le 15 septembre. Elle va s'arrêter le 15 janvier 2017. Mais peut-être qu'il y aura des prolongations, on verra bien. Pour l'instant, c'est bien parti. En tout cas, vous êtes à Paris, là. Il y a les vacances de la Toussaint, il y aura les vacances de Noël et jusqu'en janvier. C'est où exactement, tu nous l'as pas Alors, dit. C'est au théâtre Les Feux de la Rampe, tous les jeudis, vendredis et samedis soirs à 20h. Ça te va bien, ça, Les Feux de la Rampe? Alors, lorsque j'ai demandé à la directrice du théâtre, est-ce que c'était pour Chaplin? Non. C'est un hasard total, mais je crois au signe. Voilà. Exactement. Et puis, tu nous en diras deux mots aussi du spectacle tout à l'heure, parce qu'il ne fait pas que jouer. C'est presque un one-man show maintenant. Autre invité, Jean-Charles. On le sait, il y a du talent corse. Puis, il y a une nouvelle génération. Alors, on se disait, tiens, il n'y a pas beaucoup de filles qui chantent. Hein. Bah, si, il y en a. Il commence à y en avoir pas mal, même. C'est très bien. Mmh. C'est très bien qu'il y ait eu vraiment un renouveau de ce point de vue-là. Et des filles qui chantent en solo, quoi, parce qu'il y avait des groupes de filles, c'est très bien. Il y a eu des groupes qui ont commencé à chanter en polyphonie. C'était de ce point de vue-là aussi de belles expériences. Et puis là, ça y est, on a quelques jeunes filles qui se mettent à chanter en solo. Et il y a vraiment de bonnes surprises. Mmh. Et exactement. Carlo, tu as... Exactement. Alors Carlo, on l'a connu il y a un long moment de ça. C'était une découverte ici dans le live. Puis elle nous avait dit, ouais, je vais essayer de faire un album. Je vais essayer de faire. Elle l'a fait son album et elle est là ce soir avec nous avec ce titre Begoballa Iviori. Merci d'accueillir Carlo Tarini. Thank you.
Greg Ballaivior et Carlo Tarini, et cet extrait de son premier album, My Piuzzita, ce qui est quand même une bonne nouvelle, hein, Jean-Charles. C'est culotté quand même, My Piuzzita. C'est très bien, il faut être culotté dans ce métier, parce qu'autrement on n'avance pas. Il faut oser des choses, il faut se mettre à nu, c'est pas facile, hein, parce que la scène déjà c'est se mettre à nu, mais moi Carlo, je l'avais découvert il y a déjà quelques années au concours de l'Eurovision des langues minoritaires où j'étais dans le jury et j'avais trouvé que sa prestation était plutôt intéressante et qu'elle avait une voix qui sortait de l'ordinaire et voilà, et ça me fait plaisir qu'elle soit là ce soir, vraiment. C'est le plaisir et pour moi. Elle a insisté, elle a persisté. Je me rappelle quand on s'était vu il y a un moment déjà. Hein, tu me disais, oui. Oh, j'espère pouvoir concrétiser mon projet, c'est un album, etc. Il y est l'album, ça y est, hein. 10 titres. Oui. Et puis le titre, moi j'aime beaucoup, My Piuzzita. Qu'est-ce qu'il y a ? J'en ai marre, maintenant vous allez m'entendre. C'est ça l'idée. C'est un peu ça en fait. Maintenant que j'ai commencé, vous allez me supporter un moment. Supporter, non. Apprécier, oui. Voilà. Oui. Bon, ça n'a pas été simple. Non, c'est sûr, mais rien n'est simple. De toute façon, il faut travailler pour tout. Donc, ce n'est pas plus dur qu'autre chose, je pense. Bah, il a fallu t'entourer pour cet album. Avec qui tu as travaillé ? Alors oui, alors, je me suis entourée d'abord d'amis. Évidemment, parce que c'est au-delà de la musique, c'est comme ça a été dit depuis le début, c'est des histoires d'amitié. Et donc, j'ai un ami qui écrit et qui compose, qui s'appelle Jérôme Ferrar, et qui fait également les voix sur cet album, qui m'a un peu aidée dans ce sens. Mais il y a beaucoup de chansons que j'ai voulu faire moi, en fait, pour ce premier album. Mmh. Et puis, ensuite, nous avons été au studio L'Angéline, qui, en plus de ça, est à un quart d'heure de chez moi, donc à la maison, quoi. Ça va, tu joues à domicile, quoi. Voilà, ouais. C'est ça. Donc avec Jean-Bernard Ongigogne et puis son équipe et Anthony Agostini qui m'avait accompagné au piano aux premières fois où j'étais venue ici, qui a fait les arrangements aussi. Bon, tu as fait quelques scènes depuis, évidemment. Oui, on essaye. C'est difficile, hein. C'est ça, on essaie de forcer un peu les portes. De se lancer dans la chanson, non ? Ben, c'est-à-dire qu'en fait, quand on aime vraiment ça, on fait tout. C'est-à-dire que moi, je fais vraiment tout. Je vais du bar à la maison de retraite, au concert. Donc voilà, comme ça me plaît, c'est pas... Évidemment, le concert, c'est différent parce qu'on a un confort sur scène qu'on n'a pas ailleurs. Mais quand on aime ça, on chante tout le temps. Ben, demande à Jean-Charles, il est passé avec les groupes, avec Kant, avec les Sourdiens, avec Arapa, en solo aussi. C'est difficile de se produire sur scène. Oui, avec Nouille, avec Quattro Oggi, avec Cinque Oggi, avec Sei Oggi. Après, j'ai fait du cabaret aussi parce que c'est une bonne formation. Quand j'étais très bonne école, oui. Oui, parce qu'il faut aller choper le public qui n'est pas venu pour toi. Il est venu pour boire un coup et puis il faut qu'ils aient envie de t'écouter. Ce n'est pas évident. Voilà, alors c'est un bon départ dans le métier parce que là, ce n'est pas joué d'entrée. Ils ne viennent pas pour te voir. Bah, puisque tu pars... Ah ben oui. Oui, il va falloir que tu y ouais. ailles. Oui, va t'installer sur scène. Tu peux laisser le micro ici, on va t'en donner un autre, ne t'inquiète pas. Comme ça, je poursuis un peu avec Carlo. Voilà, il est très bien, oui. Mais tu partiras à la fin de l'émission aussi. Allez, ça sera retenu sur ton cachet que tu ne touches pas. Carlo, tu as beaucoup bossé pour l'avoir. On sent qu'il y a beaucoup d'envie chez toi. Il y a une certaine persévérance aussi. Ben, c'est sûr. Ben, je pense que si on fait ce métier en se forçant, bon, comme beaucoup de métiers, mais celui-là d'autant plus... On ne peut pas y arriver. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai, quand on arrive à sortir quelque chose, bon, même si après on se dit ça, j'aurais dû le faire d'une autre façon, ou bon,
ça, on peut toujours mieux faire. C'est l'école de la vie. Voilà, exactement. C'est l'école de la vie. Ça a le mérite d'être là. Tu connais la chanson « Puisque tu pars » ? Un peu, oui. Elle est signée de Jean-Jacques Goldman. Oui. Et ben Jean-Charles, il a eu la très bonne idée de l'adapter sur son album. Et puis comme dans le live, tu sais qu'on aime beaucoup les duos. Là, pour le coup, ça va être un duo voix-musique. Jean-Charles Pape, puis on le retrouve tout de suite avec, avec Paul Mancini pour cette reprise de « Puisque tu pars ». Mais version un peu comme chez nous, quoi. C'est dans le live. Applaudissements pour les deux. Merci. Puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne, au-delà des vents plus hauts que les marches de l'oubli, puisqu'il faut apprendre, à défaut de le comprendre, à rêver nos désirs et vivre, dis ainsi soit-il. Se tu sei convinto, come un sogno di aria lindo, che tutto ciò che non devo per te mai un basterà. E se l'en altro chiudo gore o atterrà, noi ti denimo gara e nimun ti ridenerà. Se tu vuoi andare, ti brighiamo anti, anime più belle genti, con amore più profondo che il nostro un po' di più. Imparai in su mondo, ma che tu duenti tu, se ti cambiassi un altro, ti perdi manco di più. Guardo se tu chance, che un tempo sans silence, se tu forse de penser. Certe strage stanno zitte e un piagne lunghe in sé. E se linde te campa lontano da me, l'udò esilio prova a fa piazza l'urtà, ma senza trigare.
C'est du duo. Il y a que dans le live qu'on voit ça. Un Carlotta. Ça, c'est beau, c'est du duo. Tu sais quoi, je pense que quand certains disent que la chanson corse est toujours enfermée, on prouve encore ce soir, une fois encore, que non, on peut tout chanter en Corse, hein, finalement. On en a la preuve, elle est bien adaptée. Hein. Oui, c'est ça. Et puis, j'ai l'impression que quand on rajoute du Corse, nous, de suite, on est pris au trip. De suite, voilà, évidemment. De suite, C'est toi qui as signé l'adaptation, Jean-Charles ? Oui. Ouais. Ben, au départ, je voulais que Patrick Fior il chante avec moi sur l'album. Mmh. Il m'avait promis de venir, et ce qu'il a fait, d'ailleurs. Et je réfléchissais pour être dans la continuité un petit peu de Mezzo Mezzo. Et donc, je me suis dit peut-être qu'il va falloir que j'adapte quelque chose pour ouvrir encore davantage. Et comme je sais les affinités qu'il a avec Jean-Jacques Goldman depuis très longtemps, ça m'a fait vraiment plaisir d'adapter ce titre, parce qu'il est pour moi un des grands titres de la chanson française. Enfin, je pense que ce n'est pas seulement pour moi. Oui, c'est plutôt partagé par beaucoup de monde. Hein. Voilà. Voilà. Et puis, on avait la possibilité sur ce titre, c'est le travail qu'on a fait avec Patou, de le rendre un peu... Voilà, Patou, on s'y perd avec Patrick Fleur. Alors, avec Patou. Patou, avec... c'est Patrick Amparsoumian, le réalisateur, et voilà. Le batteur de Patrick, etc. Et c'est ce travail-là qu'on a fait. L'idée, c'était de le rendre un peu nostrale. J'ai entendu, il y a des mandolines, des caramouses qui jouent. Voilà, c'est plutôt dans l'esprit. Quoi. Juste pour l'info, Paul, tu me confirmes, tu n'étais pas sur l'album. Pas du tout. Le morceau que tu viens de faire là, c'est spécialement pour le live. C'est spécialement pour le live. C'est l'invitation, la magnifique invitation de Jean-Charles. Et je crois que c'est un très, très beau moment. Je crois que ça va bien donner. Ah ben, je te confirme. Hein. Je ne sais pas ce qu'en a pensé le public. Ouais. Ah ben, ça va, ils sont d'accord. Merci. D'accord. Cool, hein. Maintenant, je peux balancer pour le saxo, pour la voix. Non, je dis pas ça. Comment ? Je dis pas pourquoi il y a le saxo, parce que ça t'évite de chanter plus haut, tout ça. Ah, oui, c'est vrai, non, il faut pas le dire. Non, je dis pas, d'accord. Ah, c'est pas vrai, parce qu'au départ, on avait dit ça, et puis finalement, on a décidé de faire un qui joue pendant que je chantais, donc oui, je me suis arrêté. Du coup, tu as poussé quand même. Hein. Ah, ben oui, et voilà. Mais et du voilà. coup, c'était un vrai partage, et je suis content parce que on l'a travaillé tout à l'heure, tu étais moi. Et Paul était dans la totale improvisation et il m'a transporté. Vocalement, je ne sentais plus rien. Quoi. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant dans la musique. C'est que quand on peut partager des moments comme ça avec des musiciens qui sont talentueux, on peut se dépasser, on se transcende. Eh bien, tu vas en partager d'autres moments, parce que tu es en duo avec tout le monde ce soir. Hein, je te mets à l'aise. Il y aura Carlotta tout à l'heure. Et puis, il y aura la petite bande là, que j'ai réunie ce soir. Alors, ils se produisent pas à la télévision. Certains, on les connaît parce qu'ils jouent avec des groupes. Et puis, de temps en temps, ils se font des soirées. Ils sont connus plutôt dans la région ajaxienne. Ils se font quelques soirées. C'est plutôt pas mal. Il y a encore du talent. Donc, Nadia Diamant à Squadra di Juan Filippo Martini. Mais avec une chanson qui est une création, pourtant. Donc, c'est un petit peu un avant-goût. C'est spécialement pour nous qu'il la chante ce soir, parce que cette chanson, elle a une histoire un peu particulière. Donc, c'est une création que vous allez découvrir avec toute la Squadra à cuit. Et c'est seulement dans le live. Prigario la dovida, prigario preferida. Che da sia ogni tanto, che da sia l'unio canto, della rigratti ora una vena, gratti sia l'ebba sirena. Prigari una brumessa, prigario principessa, utto soffio chi mi infida. Come una voce ferita ad appaggiare stondi scuri e scognurati di pauri e stu sorriso chi mi incanta soli d'amori e poesia a dimmi quante duri manca un mondo sano. Thank you.
pianti a stufo uno aledati e stu sorriso chi mi incanta soli d'amori e poesia a di mi quante tu rimanca un mondo sano, un mondo sano pregario da luvondo pregario lume mondo una tara urcezza fendo da già tristezza ed una poesia avrora apra lo cialudoso e stu sorriso chi mi incanta soli d'amori e poesia a di quante lui manca un mondo sano un mondo sano. Un mondo sano, un mondo sano. Un bastaria. C'est finalement une avant-première, hein. Une souris ou une natte ou... Ils vont venir, donc Philippe Martin et Jean-Simon Brosier de la Casa Longue. Bon, deux sur les trois, à mon avis, vous allez les connaître ou les reconnaître, puisqu'ils sont déjà passés par le live. Jean-Philippe et Doumet. Jean-Simon, c'est un peu le plus discret hein, des trois. Alors, Squadra d'amigues, Benintez, et tant, bon, tu es un arruiné, tu peux compter insieme. Yeah, exactement, donc siamo una squadra d'amigues, dice radio, hein, et ci siamo conosciuti quelques années avant, déjà. Bon, Jean-Simon, c'est mon beau-frère, donc bon, je ne l'ai pas choisi, malheureusement. D'être là, c'est pour ça. C'est le plus discret, parce que bon, c'est Jean-Philippe, ça. On le connaît, parce qu'on le reconnaît en tout cas. Tu chanterais pas un peu des fois, ou jouerais un peu des fois avec Voce Vento? C'est ça, voilà. Avec, ça avec et Domenico Casalonga, ça t'arrive pas de chanter avec Voce Vento tout en tout temps? Ça arrive de temps en temps. Ouais. Ça veut dire que tu vas revenir sur le live, évidemment. Hein. Si on nous invite... Bah c'est prévu volontiers. Déjà, il y a la sortie de l'album, tu penses bien qu'on l'attend avec impatience. Ah bah alors, ça se passe bien volontiers. Tous les deux, vous qui êtes au courant, l'album. Super. De Voce Vento. Voilà, fin de la parenthèse pour l'album Voce Vento. Le plus discret finalement, c'est Jean-Simon dans la bande. Je crois que c'est la première fois qu'on me dit que je suis discret, honnêtement. Ouais. Oui. Bah, au niveau de la musique, oui, parce qu'on m'a dit, mais qui est-ce? J'ai dit, tu vas voir, non, il chante pas trop mal, mais en fait, vous chantez en toute discrétion, plutôt sur les scènes de la région ajaccienne, c'est ça Jean-Simon? Absolument, oui. On tourne dans le Grand Ajaccio, on ira. Et fate conoscere a canzone corta. Absolument. A tutto il mondo. E a Nocia di Marte, di fa campa a canzone, a chi d'usigi, pa i gorzi, pa qui di chi sta in Corsica o qui di chi viene a scoprire a nostra terra, a nostra cultura, a nostra tradizione, tanto qui sono momenti di spartire. Proprio particolare. Ecco, e poi la giuritunanza, Jean-Philippe, un sorriso è nato, voglio dire la prima volta che hai cantato forse la televisione, ma ha appena una piccola storia, questa canzone qui. Perché di Atoia, tu vuoi dire? La mia, sicuro. Sei tu che l'hai scritta. Ma la giurata un artista che si chiama Jennifer. Jennifer. Donc, Jennifer, Jennifer. Jennifer, Hein? Donc, c'est sorti hier, donc sur son album. Donc un jour je l'ai rencontré, elle m'a dit écoute Jean-Philippe j'aimerais revenir un peu à mes racines, chanter en Corse, elle m'a dit et puis j'ai cette chanson, elle m'a dit bingo on y va c'est super et bon c'était au début je croyais pas tellement, je me suis dit bon il y aura que moi ici c'est ça un peu l'idée. Ouais, en fait au début on écrit une chanson, on est dans le salon, on écrit deux mots comme ça et puis bon on sait jamais où ça va. Voilà. Et puis c'est ça la magie de la musique et de la chanson et justement du partage. Voilà. À se partir, Estafa. Et du coup, cette chanson se retrouve sur le nouvel album de Jennifer. Un peu de fierté, quand même. Oui, mais quand même, oui. Mais après, bon, il faut rester humble, de toute manière. Hein. Après, j'espère qu'on en fera d'autres. Et puis,
Voilà. Bon, ce garçon est très modeste, d'accord. Moi, je suis très content de l'avoir dans le live parce que, en fait, il s'occupe aussi avec d'autres hein, d'une école qu'on aime beaucoup, di Ascola di Canto di Natale Luciani, de Barlaremo da qui, una stondette, Benintese. Parce que bon, il y en a quelques-uns qui sont sortis de là et ça va continuer. C'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, on va retrouver maintenant les feux de la rampe. On l'a évoqué tout à l'heure. C'est aussi le titre d'une des musiques de Charlie Chaplin que Paul Mancini reprend sur la scène de Les Feux de la Rampe à Paris. Il faut suivre. Hein. Le titre s'appelle, vous le connaissez, Eternally. Paul Mancini, c'est dans le live. Un titre mythique, un titre de légende, signé Charlie Chaplin, Eternally, interprété par Paul Mancini. Si vous êtes à Paris, allez-y, hein, c'est au théâtre Les Feux de la Rampe. On en reparlera tout à l'heure avec lui, mais il raconte très très bien et en musique la vie fabuleuse de Charlie Chaplin. Ah là, j'ai du monde autour de moi, ça tombe bien, je vois une guitare branchée, c'est l'heure de mon moment à moi. Oui. Non, en général, c'est le public. Et tu vas te faire chier après ou vas te choculer au lit ? Oui, un peu, oui. Non, je vais la refaire parce que normalement, je dis c'est mon moment à moi. Le public qui vient d'habitude, puis il y a des habitués, là, ils savent ce qui vous attend. Normalement, il est content, tu vois. Le public est content. Normalement, le public est content. Non, mais c'est pas vrai. Faut tout vous dire, en fait. Hein. Tu sais quoi ? Non, j'adore quand c'est spontané comme ça. Écoute, c'est un plaisir. Ah, moi aussi, je préfère. Tu as vu un peu ? Tu as l'air de demander rien. C'est complètement improvisé. Alors là, pour le coup, je ne sais pas ce que vous allez faire. Mon moment à moi, j'explique, hein, pour ceux qui découvrent le live, il y en a deux ou trois encore. À ce moment-là de l'émission, je demande aux artistes qui nous rejoignent de montrer qu'ils ont aussi un talent d'improvisation, que ce sont des vrais chanteurs, des vrais musiciens. Et je vous demande à tous de me faire un petit extrait d'une chanson à laquelle vous tenez tout particulièrement, parce qu'elle représente quelque chose. Elle vous a donné envie de chanter. C'est une chanson qui vous provoque une certaine émotion. C'est une chanson que vous avez en tête en ce moment. Elle est en français, en corse, en italien, en anglais, kinesogo. Et on va commencer, et bien, puisque tu as la guitare, ça sera toi, Jean-Philippe. S'il y a une chanson comme ça, un extrait, tu nous ferais, ce serait quoi ? Bah, écoutez, je dirais Dio qui dit Diana di l'Alba. Bah, parce que ce morceau est sorti en 2004, je crois, et puis c'était des années un peu folles pour moi. Hein, ouais. Je veux dire, on était au lycée, ne dis pas tout, non, n'écoute pas, ne l'écoute pas. Et puis, voilà. Et puis après, bon, c'est vrai que c'est une chanson assez triste, donc elle rappelle pas mal de choses qui se sont passées dans ces années-là pour moi.
Bon, et puis voilà, donc c'est la nostalgie qui parle ce soir. Voilà, tu m'en fais un petit extrait. Allez. Moi, ça me rappelle un truc, c'est que je bisque encore aujourd'hui de cette chanson. Parce que je t'explique. En fait, je travaillais avec Tchétché Lanfranc à l'époque, avec Noé, et je tombe sur ce texte de Tchétché qui était dans son recueil. Je l'appelle tout de suite, je dis, je veux faire une musique dessus. Il me fait, trop tard, c'est Diana Dillalba. Dommage. Et ça donne sa version Diana Dillalba. C'est très bien. Badare moi guerra, in corti di ascola, soldati in una stonda a cui scurzali scuri, il parfumo longo di sta risa che sbola, sarà d'inchiostra amaro o di gonfittura. A spisso di statina infiare l'aria piena, da schiarisciare gli visi, i nociocci ingridati e tutti i sigretti spartuti dopo cena, giunta ritolabra sobbagi più arati. Bravo Jean-Philippe Martin. Dio, que tout le monde appelle à Confitura. C'est Dio. Je continue avec toi Jean-Charles. Oui. Et pourquoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Confitura, ça me fait rire. Bah, c'est le titre qu'elle bon, me l'a demandé. Oui, pas, là, tu prends les premières paroles. Ah, okay, on pourrait entendre la chanson à Confitura. Bien sûr, bien sûr. Mais tu veux savoir ce que j'ai entendu, moi? Non. Pour Sinfonia Nostra. Non, laquelle? Hein? J'ai entendu de tout. Vas-y, vas-y. Si vous en prenez via Dio. Il y en a un qui un jour il vient et me dit. Tu ne veux pas me chanter « Si Mouzin Prébriagui » Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Non, on se doute à quelle heure il a écouté, c'est là la chanson. Hein. Allez, tu nous fais un petit truc, toi aussi. Allez. Ah ouais, changer alors. Oui, tu essaies de ne pas la casser, tu es gentil. Tiens. Mais normalement, au cabaret, c'est à la guitare. Allez, Jean-Charles Pape. Ah. Bien... Moi, quand j'étais petit, j'étais pas grand. J'écoutais du Francis. C'est vrai. Bah, du Canta aussi, bien sûr, hein, mais on a pris de la guitare, c'était un peu ça, tu vois. C'était pas forcément celle-là, je les connais toutes. Hein. Et ses yeux font le reste. Il s'arrange pour mettre du feu dans chacun de ses gestes. Après, c'est une histoire normale. Le verre qu'elle accepte et le sourire qu'il étale. Ou en s'approchant un peu. Vois les ombres fines, ses yeux de figurine. Pas la peine que je précise d'où ils viennent et ce qu'ils se disent. C'est une histoire d'enfant, une histoire ordinaire. On est tout simplement, simplement, un samedi soir sur la terre. Bravo! Très bien. La chanson que vous ne retrouverez pas sur le disque Essential de Jean-Charles Pape. Carlo Rota. Oui. Alors toi, je t'ai pris de cours. Un petit peu, mais bon, c'est pas juste avant, en fait, j'ai oublié Carlo. Tu vas me chanter une petite chanson comme ça, improvisée à cappella. Bon, d'accord. Tu as un truc en tête? Oui, ça va pouvoir se faire. Allez, vas-y. Bon, si il connaît, t'accompagne. Sonne à Vagabonde. Ouais, mais elle est. Ouh, ça, c'était les classiques. Do. Una vada peregrina se cala dal mio cuore e la guida la mia strada con fortuna e con amore. J'adore cette chanson.
J'adore cette chanson. Super. Donc, le faux discret, Jean-Simon. Parce que bon, toi, tu es. Ravi d'ailleurs. Tu as quelques soirées à ton actif avec ces joyeux lurons. Là, si tu en as une ce soir que je te demande, que tu as en tête, ce serait quoi? Mais tu sais, moi, pendant 5 ans, j'ai eu l'honneur d'être, d'être chanteur résident du son des guitares à Ajaccio. Le son des guitares à Ajaccio, à l'époque. Lieu mythique, oui. Il y a une grosse jeunesse très, très dynamique qu'il fallait dynamiser, justement. Bravo. Donc, il fallait entretenir. Ah, oui, absolument. C'est un dynamisme à entretenir. Voilà. Ouais. Voilà. Il fallait être très présent. Ouais. Et donc les répertoires étaient très variés. Comme je sais que Jean-Charles adore le Cabrel, il y avait beaucoup de Cabrel aussi. La corrida en faisait partie. Et c'est parti. Ça faisait un peu comme ça. Et les filles en face, elles étaient prêtes. Ah, d'accord, oui, j'ai compris. Oui, oui. Marié, avant mon mariage, bien entendu. Oui, il y a ton beau-frère à côté, là, voilà, oui. Il me menace souvent. Ça faisait un peu comme ça. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou, j'ai plongé vers le grand jour, je vois les fanfares, les barrières et les gens autour. C'est la classe, hein. Les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, c'est cette danseuse ridicule. Jean-Simon Ambrose, il est dans ses œuvres ce soir. Bien. Bien, merci. Si tu veux, j'arrivais pas jusqu'à la fin. Parce qu'après, après, on se jetait sur nous. Oui, c'est voilà. Ça, ouais. C'est pour ça qu'en fait, il n'enregistre pas de disque. Il a peur du succès. Doumé, c'est toi qui boucle la boucle. Ce sera avec quoi? Alors moi, s'il y a une chanson qui m'a marqué, je dirais que c'est Gol, chanson de Feli sur l'album Eno. Qui m'a beaucoup marqué au niveau de la musique, mais beaucoup au niveau du texte aussi. Et c'est une chanson qui m'a vraiment donné envie de me plonger dans les textes, parce qu'au début, quand on chante, forcément, pour ma part, c'est vrai que je chantais un peu, j'assume, sans vraiment comprendre ce que je chantais. Et Gol, ça a été un peu un déclic. C'est un peu le révélateur. Voilà. Et ça fait comment ? Montagi tu mia e friscura e purezza fa le gusale disalettando da depa a cudaloni so viume so gol di vola di passione ma boga te ti breme Osena te fiumone Un mesogno è di gore Da monte ginta mare Cantando a canzona Di chi m'ha fatto viume Se rugge un domani Di bacia mese scume, parlane insieme Osena, Osena fiume fiume, parlane insieme Osena, Osena fiume Bravo, bravo, bravo.
En trois mots, à vous tous, hein. Un grand merci, Voilà pourquoi j'adore ce moment. Jean-Charles, Carlotta, délaissez le coin talk, retrouvez la scène de ou live. On va vous retrouver tous les deux en duo. Et t'as pas fini avec les duos. Hein. Après, il va falloir retrouver la joyeuse équipe. J'ai adoré ce petit moment de partage avec vous. J'espère que vous avez apprécié aussi l'instant. Parfait. Bon. Et vous savez que derrière l'émission, on va vous poser la question, il va falloir bosser sur un album. Hein. Enfin, moi, je dis ça. Et tu nous financeras. Évidemment, si je peux rendre service. D'ailleurs, on va dire au public, ne partez pas tout de suite, on va faire une petite quête à la sortie de l'émission. Je vous expliquerai après pourquoi. Hein. Allez, tout de suite, le duo, perdez pas la tête. Jean-Charles Pape, Carlotta Rini, Unos Trois Morts. È così che lo finisce il nostro amore, senza un strido, senza manco un rimorso, ma questa verità eterna nel mio cuore. È nato in un sorriso, in un'occhiata d'armonia, in una stonda di aria colma d'allegria, che la cadesse un giorno a me un lagria. Tu ero mio sole, la mia più bella sinfonia, la mia speranza e la mia più grande pazzia, quella che inventa un universo con una griglia. E io hai già cercato un'altra che ti s'assomiglia, una di più trouse stonde in magia, ne manco un sguardo di spartere poesia. Se io descrivo il sedere di valore per impattarmi senza domandarci amore e che ho sperto altrimenti su dolore. Penso che ogni storia pur usare la vocine non vale mai né un fuggire né un avere se la coscienza è spassionata dall'idea. Tu in qualche tu sì, per me stampato come salte poesie, come se stelle incese le notte giumili. E io ti tengo un sguardo franco dalle antiscene, un batte luci o un specchio e un sen, non c'è un mare o lui sogno di impremi. E l'amarezza nera ancora, udendo dal cuore ancora il nostro amore, come un sogno che si spegne con l'albore. Bonsoir Moret, très beau duo, Carlotta Rini et Jean-Charles Pape. Dis-moi Jean-Philippe, toujours avec nous, dites-moi, d'où est Barolé dans ta scuola di canto di Natale Luciani? Qu'existe sempre? Oui, c'est sûr, hein. La scuola di canto di Natale Luciani existe sempre et un piacere sempre di poter imparare a citer a cantare, fino a cantare e a farsi piacere, o prima. Prima, primo obiettivo di la scuola di canto è sta fare, hein, di sicuro. E, ma non sono mica solo, hein, ci sono, siamo una manza di persone della scuola di canto che fanno un lavoro nel terreno di radio, hein, per fare un po' sempre questa scuola e sempre in lo stesso villo che ti ha il nostro maestro Natale. Dunque, tu es passé aussi alla scuola di canto, bien sûr. Oui, tout à fait. Hein, longtemps?
Oui, deux, trois ans. Même, enfin, de manière occasionnelle encore maintenant, mais de manière régulière pendant 3 ans, oui. Giancarlo, tu che l'hai conosciuto a Natale Luciani, se lo vedi oggi a continuità di questa scuola, sarei contento, no? E penso che tu sarei contento, sarei felice, perché infatti il lavoro di terreno era una piazza importante per Natale. Se tu vuoi, dici a San Prie, vado a tramandare, vado a essere qui per la passione di la nostra cultura, della nostra lingua, e veramente ciò che tu volia. E io di nuovo forza appena paura che l'affare si spingisse se un giorno non c'era più, e io so veramente felice di vedere che i giovani hanno ripreso a viare, ma mi dubitai appena perché aveva dato talmente passioni a tutta questa gioventù con il lavoro tremendo che ha fatto, che era appena normale che li ripidesse a Olimta. Se sarà quasi a terza generazione, si può dire così. Gianfilippo e Lume, andate in onta a scena, dunque, ve me la ritrovo con questa bella squadra e ve me la ritrovo con una canzone che tu conosci appena. Forza. Una canzone di Canto Pulo Corso. Conosci su questo? E Natale è scritta la musica. La Penuccia. E questa canzone di Guidi è Lettera. Lettera. D'Argentina. D'Argentina. Di chi so fatti aluto pare un'aria chi tutto vir messi par me ma lo tempo si sbuccina in satara d'Argentina la possa becchi e la meritava qualcosa di te chi ferma gli orna fa chi non me passo strascina in satara d'Argentina tassi di no e chi firmerà di rigor di chi so
chiusi in loro cittadina. In satara d'Argentina, tutto ciò che fu un mine posso scordare, ma dimmi la tu chi ferma li orna fa, chi lume passo strascina. In satara d'Argentina, come la piazza d'Amanda. A bella squadra, e così che la di la chiama stasera, sa bella squadra di amiche, po, veramente musicante, belle canterine, e sta bella versione di Lettera d'Argentina. On est d'accord, c'est réussi. Hein? Ah, très réussi. Un mot, Paul, au théâtre, Les Feux de la Rampe, c'est à Paris, c'est jusqu'en janvier. Tout à fait, je raconte la vie de Charles Spencer Chaplin pour une durée de 5 mois, en espérant qu'il y aura des prolongations. Je joue la musique qu'il a composée tout au long de sa vie. C'est tous les jeudis, vendredis et samedis soir à 20h à Paris. Et tu fais même l'acteur ? Je fais même le comédien. Oui. Mais tu ne te déguises pas en Charlie Chaplin ? Pas du tout, c'est un autre métier. Ouais, mais tu racontes sa vie. Je raconte sa vie et je joue sa musique. Un one-man show, quoi. Tout à fait. En quelque sorte. Et le tout en musique. Et puis peut-être qu'on te verra aussi en Corse, pourquoi pas. En tout cas, on va te souhaiter plein de belles choses là-dessus. Alors juste pour la Corse, je m'excuse, le 6 décembre à l'Espace Diamant, Charlie Chaplin, sa vie, son œuvre. Allez-y, le tout avec Paul Banchil. Carlotta, mai più zitta, cascavè, posto che tu la raccontava, un paese, di Autoglio. Parli di Autoglio. Ma di un paese, anche quello di tutti gli altri. Di sicuro, perché il più bello paese di un mondo, di è? Sempre un nostro. E quell'età. Carlotta Rini, si s'appelle mai più zitta. Ah. Bah achetez-le l'album, quoi, fais des efforts, fais du boulot. Allez, bye bourré dans ta chaîne, on t'applaudit avec un paese. Avant de se séparer aussi, bon, on a deux, trois chansons à entendre. Jean-Philippe, il y avait du monde avec vous hein, ce soir, bon, vous n'étiez pas que tous les trois. Bon, d'abord, je voulais saluer Greg Gambarelli, parce que du coup, il est venu avec Jean-Charles, mais il a joué avec tout le monde ce soir. Exactement. Il a dit, bon, c'est bon, je viens avec vous. On peut l'applaudir, Greg. Oui. Hein, parce que bon, c'était pas prévu. Il y avait avec qui avec toi ce soir? Alors voilà Greg, alors merci Greg. Il y avait Ange-François à la Haste, hein, qui est mon ami et qu'on a débuté ensemble. Ange-François, on a commencé avec Albano, donc c'était notre groupe de jeunesse, comme je disais tout à l'heure. Donc Ange-François à la Haste. Philippe Gambini, qui était aussi là. Et à la percussion, au Caron, Stéphane Fieschi. Super DJ. Bon, et la intesa, hein, va dire la termine à belle la squadra. Posso chiamarvi così? C'est mon la squadra d'amis. Ouais. Et ça vous va bien. Ça nous va bien. Ouais. Ouais. Ça. On peut les applaudir, belle la squadra, spécialement pour le live ce soir, hein, je tenais à le dire. Et puis maintenant, Ina Tonson aussi. Si vous entendez cette chanson de Jennifer, vous savez d'où elle vient. Allez, on retrouve un paese avec Carlotta Rini. Oh,
non ti manco più e di a me che tu fai tu e ti adoro l'anima non si vede una lacrima per piede o giù a notti piantare gli ostramoci noi ti lasciamo tanto l'ugore di libruti li più peggi non fermano che burlecci ma con tu questo pergudo Carlo Tarini, My Cutie, c'est le titre de son album Un Paese, un extrait pour le live. Carlo, tu viens nous retrouver pour, avant de dire bonsoir, tout comme Jean-Charles. Hein. Bon Jean-Charles, on a fini la tournée d'automne. Oui. Tu as eu plein de dates. Il y a quelques jours, c'était très bien. Oui, un monde. Je voulais voir quelque chose di Wadi, mon corps, c'est qu'il y a un client qui un travail d'animique, qui se tu voli l'estate quando va a Cesira ti mi dici un esempio ma capisco trovato un po' su mica vena allora a di metà va manco più una scusa va lì voilà, così non ce n'è più bon un disco ben inteso essenziali e poi bon ci adesso altri concerti hanno chi bene beh abbiamo provato ad andare appena in altro a fa sentire appena la mia musica poi e poi rivena di Wadimu e forza di stati, enfin forza, sicuramente di stati in Corsica, ma fa un bel giro. Qui le mi ha puntato come ci vuole e penso che saremo presenti in tante strade. E bientôt en discothèque pour faire danser tout le monde, c'est l'objectif essentiel. Tu as dit tout, il y a beaucoup de Jean-Charles Papy dedans. Il y a des chansons qui vous donnent le sourire, qui vous donnent la pêche, vous donnent envie de bouger, et puis d'autres qui vous portent à la réflexion. C'est un peu l'idée de essentiel. Et bravo. Exactement. Bravo. Carlo, toi aussi, on va te dire au revoir, my putzit. Ben, on va souhaiter plein de belles choses, et puis surtout que tu continues à être aussi persévérante. On va saluer ceux qui t'accompagnaient ce soir quand même. Oui, donc il y avait Sylvie Yosia qui était au contre-champ. Mm-hmm. Jean-Marie Polivrogne à la guitare. Et puis, je voudrais remercier particulièrement Nicolas Vilchenot qui, normalement, ne joue pas avec moi. Donc, c'est la première fois qu'il a joué là. Donc, merci beaucoup à lui. J'adore quand ça se passe comme ça dans le live. On le monte tous les mois comme ça. Et ce soir, on en est encore la preuve avec Greg, avec Paul, et puis avec la belle La Squadre, avec Jean-Philippe et tous les Ouamik. Allez, avant de terminer, un autre extrait de l'album Essential de Jean-Charles Pape, spécialement pour nous dans le live. Voici Revolta. Ripeto all'oppressione, centomila zitelli di Corsica nazione, di gore indiadi e di mente riadi, lotteremo senza odio per farne lo custodio. Oggi abbiamo consulta di Corsica regina, chiamiamo alla rivolta chi popolo si gira. We'll be right back.
lavagna, annunce solivo, i piaggio di montagna, le vie puli loghi, ci hanno preso le vele, a robe le animali, e messo le pastoglie agli antichi urugale. Oggi vengo con solità di Corsica regina, chiamiamo alla ricorda che popolo non si gira. Dassi, e su nebulo gordo, li mie muli di assi, a campem ogni scordo, su povolo che muore, dai mulino uviano, come un fiume che corre, di spera sominato. C'était Harry Walta, Essential, extrait de l'album Essential, avec Jean-Charles Papy. Bon, on va se dire au revoir, mais vous le savez, vous en avez pris l'habitude. Hein. Le live se termine toujours par un bœuf. Mais ce soir, on va faire plutôt un méga duo, on va dire ça comme ça. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée. Et au miso compadre, il faut le dire. Merci au public qui était avec nous. Merci à tous les musiciens et chanteurs présents ce soir. On se retrouve le mois prochain avec une autre aventure, une autre belle histoire du live. Mais là, on termine avec un standard, un classique. Sintinedo, ciao e a prossima! Assumi la strada di un signor Simone.
qui vin sin tan pudon qua fa i veci dalla tura cu chitarre ti soprano un nero ancor un mondo che ne ratividia guarda gli impitrati lo ricordo mai.